This session will be held in the original English language, which means in French. But then the question and answers can be dealt with in English, if you wish. Juste quelques mots d'introduction pour nos panélistes que je remercie d'être là aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous se rappellent la couverture de The Economist en 2007, What France Needs, où Margaret Thatcher sortait d'un drapeau français. Alors Arthur Laffer nous a rappelé précédemment dans cette conférence que c'est souvent des grandes crises que naissaient les grandes réformes, que s'il n'y avait pas eu les années 70 en Angleterre avec le programme FMI et les syndicats et les coupures d'électricité, il n'y aurait peut-être pas eu Margaret Thatcher ou une autre Margaret Thatcher. Alors il est vrai qu'en fondant Génération Libre, nous avions un peu l'ambition du CPS à l'époque, c'est-à-dire que penser que avant tout il fallait gagner la bataille des idées avant de gagner la bataille politique. Ce ne sont pas évidemment les politiques particulières qu'il s'agit de reproduire, mais je pense que nous avons besoin d'une politique ancrée dans un principe directeur. Ce principe, celui de la liberté individuelle, était celui de Margaret Thatcher, celui du CPS, est toujours aussi valable en France aujourd'hui. Je rappelle que nous avons pour la liberté individuelle notre propre tradition, thank you very much, de Condillac et Turgot à Revel, en passant par Jean-Baptiste C., Tocqueville, Bastiat, Ruef, Raymond Boudon. Nous avons nos propres penseurs libéraux et nous comptons bien les utiliser. C'est une tradition qui n'est pas si endormie aujourd'hui, puisque dans un récent sondage que nous avions fait, 57% des Français déclarent aimer le mot libéralisme et liberté est le mot qu'ils préfèrent dans leur devise pour 48% d'entre eux. Et c'est évidemment une tradition qui doit s'adapter à la modernité et prendre en compte l'économie participative, la coopération en réseau, le crowdfunding, l'outsourcing, le coworking, le covoiturage, les externalités environnementales, etc. Il ne s'agit pas de figer le libéralisme dans sa caricature privé contre public. Donc, je vais maintenant céder la parole aux panélistes. C'est bien la première fois de ma vie que je suis un modérateur, mais j'espère que néanmoins que cette discussion sera la moins consensuelle possible, parce que comme disait Margaret Thatcher, un consensus, c'est « the process of abandoning all beliefs, principles, values and policies in search of something in which no one believes, but to which no one objects ». Je commencerai à demander à Augustin Landier, qui est professeur à la Toulouse School of Economics, PhD du MIT, engagé de mathématiques, avec même un master en philosophie, prix du meilleur jeune économiste il y a quelques semaines, qui a écrit un livre qui, moi, m'a beaucoup marqué, qui est Le Grand Méchant Marché, voilà, que j'ai ici, ainsi que récemment 10 idées qui coulent la France, toujours avec David Tesmar, son acolyte, dans lequel il nous dit que parmi les idées qui coulent la France, il y a la place de l'industrie, l'État stratège ou les banques publiques. Et Augustin, dans son livre Le Grand Méchant Marché, défend l'idée que finalement la France était un pays très, très libéral. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je vais essayer de faire ça rapidement, donc en sketchant un petit peu les choses. Comme beaucoup d'économistes de ma génération, j'ai fait une partie de ma formation aux États-Unis. Et je dirais qu'il y a une langue commune en économie qui s'installe. Il y a des différences de croyances, mais il y a une sorte de langue commune qui consiste, quand on s'interroge sur les forces économiques en place, à se demander quelles sont les failles de marché et à partir de là, quelle est l'action correctrice que l'État doit imposer au marché, en quelque sorte. Et revenu en France, je suis revenu il y a quelques années, ça m'a replongé un peu dans cette sorte d'inversion de charge de la preuve qui est vraiment la caractéristique de la France et qu'on retrouve dans très peu de pays actuellement, qui est, au fond, vous devez prouver pourquoi le marché ferait mieux que l'État, pourquoi est-ce que la solution étatique n'est pas la solution naturelle. Cette inversion de charge de la preuve, c'est quand même c'est une sorte de névrose économique française au sens où elle met la France dans le registre de son discours économique vraiment à part dans le concert des nations développées. Donc la thèse que je voudrais développer, et je vais le faire très vite, qui est un peu celle qui est dans le grand méchant marché, c'est d'où vient cette névrose économique française? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de très loin? Donc ça, j'appellerais ça l'hypothèse ADN colbertiste, grosso modo. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous fait remonter au moins 3-4 siècles en arrière? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus récent? Et bon, moi j'étais agnostique sur cette question au départ, quand on a commencé à enquêter avec David Tesmar sur cette question. On n'est pas historien de formation, on a commencé à regarder un petit peu quels étaient les manuels économiques qui prévalaient juste après la Seconde Guerre mondiale, juste avant, etc., en remontant dans le temps. Et on s'est aperçu que dans les années 20, et puis même avant, la France était un pays où le common wisdom, le consensus, était très libéral, au sens où les gens étaient très conscients des distorsions qu'introduisait une bureaucratie qui n'aurait pas les bonnes incitations, etc. Par exemple, le thème des nationalisations
En un sens, la charge de la preuve était inversée en, à un point qu'on a presque du mal à imaginer aujourd'hui, c'est-à-dire que l'idée de nationaliser les chemins de fer, l'électricité, tous ces débats qui se sont posés après la Première Guerre mondiale, que ce soit à droite comme à gauche, les gens trouvaient ça complètement invraisemblable, l'idée que l'État allait piloter les entreprises, c'était quelque chose, comme économiste, vous n'aviez pas en un sens à prouver que ça allait introduire des distorsions, les gens en étaient très conscients. Et d'ailleurs, le consensus après la Première Guerre mondiale, ça a été de nationaliser l'industrie de défense, pour laquelle il y a évidemment des enjeux très particuliers, c'est une industrie très particulière, mais il n'a jamais été question de nationaliser, même les chemins de fer, c'est en 1937 que ça s'est fait, et l'électricité, ça sera vraiment après la Seconde Guerre mondiale. Et donc ce qu'on étudie dans ce livre, c'est d'où vient cette sorte d'amnésie, parce que moi-même, je n'étais pas conscient qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des centaines de producteurs d'électricité en France, et que c'est vraiment juste après qu'on a considéré que c'était naturel, au fond, qu'il y ait un seul producteur, et que ce soit un monopole contrôlé par l'État. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à rejeter l'hypothèse du colbertisme congénital de la France. Elle est rejetée par l'histoire, il suffit de se reporter un peu à cette époque. Et puis même, elle ne tient pas vraiment la route au sens où on a tous bien vu qu'on raconte exactement la même chose sur la Chine il y a 30 ans, pourquoi la Chine, elle devait inventer sa propre économie, elle n'était pas compatible avec le capitalisme, ça a été complètement démenti par les faits. Donc cette idée d'une inversion naturelle au capitalisme et au marché ne tient pas la route. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui s'est passé, d'où vient le trauma initial. Et donc notre thèse, c'est que c'est vraiment la Seconde Guerre mondiale et le trauma paradoxal au sens où ça a été un événement très positif, qui est la reconstruction très réussie des 30 Glorieuses. Et ça, ce n'est pas un mystère pour les économistes. On sait que quand un pays est détruit, donc la France, après la Seconde Guerre mondiale, c'est un pays qui produit un tiers du PIB d'avant la guerre. Donc vous imaginez, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de... Quand on parlait de crise à l'époque, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur de ce qu'on a en tête actuellement quand on parle de crise. On parle d'un pays où la nourriture est un enjeu, etc. Et donc là... Évidemment, la centralisation par l'État peut fonctionner parce qu'on sait exactement où on veut arriver. Donc on peut écrire en un sens des contrats qui disent, vous, votre mandat, c'est de reconstruire les ponts, produire l'électricité. Et c'est ce qui a été fait avec beaucoup de succès dans l'après-guerre et qui a conduit à un taux de croissance très élevé pendant 25-30 ans. Après, une fois qu'on est à la frontière technologique, évidemment, les choses sont différentes. Il y a plus de raisons de penser que là, ce n'est pas optimal pour l'État. Enfin, l'État ne peut pas être le démiurge qu'il était dans ces situations de rattrapage. Il faut laisser un peu de darwinisme, en quelque sorte, entrepreneurial, pour continuer à participer, à pousser la frontière de l'innovation et pas simplement la rattraper. Et c'est là qu'en France, cette transformation mentale ne s'est pas faite parce que les Français restent très nostalgiques au fond. Enfin, dès que ça va mal, on voit bien que l'imaginaire nous rappelle à cette période où finalement l'État s'est imposé, a joué son rôle de chef d'orchestre et ça a fonctionné. Et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on pourrait essayer de reconstituer cette période aujourd'hui. Et c'est ça, à mon sens, la névrose économique française. C'est cette espèce de nostalgie très forte qui ressort en particulier dans les périodes de crise pour cette période de l'après-guerre. Je ne veux pas parler trop longtemps, mais c'est vraiment ce qui me marque en quelque sorte dans le débat public. C'est-à-dire que les économistes, on a notre travail académique universitaire, et puis après il y a le travail de débat public. Et c'est vrai que c'est très frappant en France, cette inversion de charge de la preuve en permanence. Comme si au fond, vous voyez, on se moque souvent des Américains qui continuent à considérer le darwinisme comme une hypothèse parmi d'autres et qui ont cette théorie du créationnisme, du design, de l'intelligent design, que certains républicains souhaitent proposer comme une alternative. En France, c'est un petit peu la même chose au sens où on reste très attaché à l'idée que finalement l'intelligent design, une sorte de créationnisme économique où l'État pourrait dire « je veux que Madame Intel prenne la tête d'une commission qui va essayer de trouver le Google de 2030 ou que Monsieur Intel prenne la tête d'une commission qui va chercher l'Apple de 2025 », ces choses-là ne font pas rire en France. Les gens le prennent au sérieux comme si c'était une sorte d'hypothèse plausible qu'on pouvait innover de cette manière. Pour moi, c'est vraiment il y a une analogie presque littérale au fond avec le créationnisme au sens où il y a un refus très très fort actuellement en France du darwinisme, du côté destructeur finalement du capitalisme qui est qu'il faut, pour un Google, il faut tenter au moins une centaine, même plus. On se souvient tous de AltaVista, etc. Il y a beaucoup d'entreprises créées qui vont être détruites, et c'est pas des apocalypses pour les gens qui les ont créés en général, mais c'est vécu en France comme quelque chose qui ne peut pas être efficace. On pense que l'État peut faire mieux que cette espèce de désordre du marché. Et donc, voilà, la charge de... la mission, en quelque sorte, pour les économistes de ma génération, parce que je ne me considère pas comme un libéral
extrême, si vous voulez, dans le paysage international. Ouais. Moi, je suis vraiment de plein pied avec les économistes de ma génération qui publient dans des revues internationales, etc. Mais dans le débat économique français, on doit essayer de trouver un angle, grosso modo, pour inverser cette charge de la preuve. Et donc Gaspard participe à cette espèce de travail sur la névrose économique française dont on va parler ce soir. Merci Augustin. Alors Frédéric Jousset, qui est lui entrepreneur à succès puisqu'il a fondé WebHelp, dont il nous parlera peut-être, mais en tout cas qui est monté de 0 à 16 500 collaborateurs, si je comprends bien. 23 000. Enfin, les chiffres datent déjà, en 2 mois ça a dû encore grossir. Également très investi dans l'art, à la fois très ancien puisqu'il a participé à des... monter des chantiers de fouilles au Soudan et dans l'art contemporain, puisqu'il est président du conseil d'administration de l'école des beaux-arts de Paris. Alors nous parlions de créationnisme, mais Frédéric, on peut quand même créer des entreprises en France, tu en es la preuve vivante. Oui, mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas de problème pour développer créer des entreprises en France. Le problème des politiques publiques en France, c'est qu'il y a toujours un biais, c'est-à-dire qu'on favorise toujours l'entrée dans le système et on complique toujours la sortie. Donc on n'a pas de problème avec les gens qui créent des entreprises, on a le problème des gens qui réussissent et qui après ont l'idée stupide de vouloir les transmettre ou de les revendre. C'est de même qu'on aide à la création d'emplois, donc on vous donne des subventions si vous créez des emplois. Moi j'en ai créé 3000 en France et on a touché énormément d'argent, qui est un argent qui ne sert à rien, puisque par définition vous ne créez pas des emplois pour toucher des subventions, vous créez des emplois parce que vous avez des commandes. Si vous n'avez pas de commandes, à un moment donné, les subventions ne vous serviront pas à grand chose. Et en sens inverse, il y a des variations d'activité, il faut pouvoir licencier. Alors là, c'est évidemment un gros mot, et vous attirez les caméras sur vous. Moi, j'ai une anecdote. On a créé un centre de 600 emplois à Compiègne. Xavier Bertrand, qui était à l'époque ministre du Travail dans votre gouvernement, est venu l'inaugurer. Et ce jour-là, on a eu, en tout et pour tout, comme intérêt de la presse, on a eu le courrier Picard et l'édition de Picardie du Parisien. Il se trouve que 6 mois plus tard, on a eu une affaire assez déplorable avec la région Île-de-France, l'affaire du STIF, où on gérait l'appel d'offres, on gérait le service client du STIF qui était piloté par la région Île-de-France, que la région Île-de-France a demandé de fermer pour transférer au Maroc. Et là, c'était le syndicat des transports d'Île-de-France. Et là, c'était 80 emplois à Fontenay-le-Comte. Et pendant 3 jours, on a fait à peu près toutes les télévisions, toutes les radios pour 80 emplois. Donc il y a toujours cette espèce de fascination. Il y a une phrase très belle, moi, qui m'avait marqué, qui était « On entend les arbres tomber et pas la forêt pousser ». Et je pense que c'est le gros problème de la France, c'est qu'on se concentre sur les arbres qui tombent et on oublie, par exemple, qu'une société comme Facebook, sans que personne le sache et que personne le dise, on estime qu'elle a créé en France près de 25 000 emplois, qui sont des emplois de traffic manager, community manager, des gens qui sont des métiers tout aussi riches, nobles et intéressants et porteurs d'avenir que les métiers d'industrie. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me frappe sur le regard que les politiques portent sur l'emploi en France, c'est que pour eux, un emploi, c'est l'instant nietzschéen où l'homme affronte la coulée en feu. Ça, c'est un véritable emploi. Par contre, l'opérateur de centre d'appel, la caissière, la personne qui travaille sur Internet, etc., ça, c'est des emplois qui sont un petit peu suspects ou qui ne sont pas forcément durables, qui ne sont pas ancrés dans un territoire, qui sont mobiles, etc. Et d'ailleurs, j'invite, dans un prochain gouvernement Fillon, éventuellement, la création d'un ministère des services. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a un ministère de l'industrie, il y a un ministère de l'agriculture, Dieu sait si on l'entend, il y a un ministère du tourisme, mais 80% de l'économie, c'est les services, et qui ne sont représentés par personne, qui n'ont pas de voix au gouvernement. Et enfin, pour terminer par là, ce qui m'a frappé, moi, ayant maintenant, on est présent dans 15 pays, donc on interagit avec 15 gouvernements, et encore beaucoup plus, on est présent dans 47 villes, donc de mairies ou d'autorités locales. Si vous prenez un pays comme le Maroc, par exemple, à peu près la moitié du gouvernement marocain sont des gens qui viennent du business, qui ont une expérience dans le business et qui éventuellement y retourneront après leur passage au gouvernement. Alors le gouvernement actuel est une espèce de caricature de ça, mais celui avant, je dirais, là aussi il y avait une espèce d'étanchéité entre le monde des affaires et le monde professionnel, si je peux dire, de la représentation politique. Merci Frédéric. Alors je vais passer la parole maintenant à Natacha. Natacha, on ne peut pas dire que n'est pas libéral, puisque tu as travaillé à Goldman Sachs. Mais néanmoins, tu as écrit des articles d'économie très, très réputés, comme « Overbidding in fixed rate tenders, the role of exposure risk ». Donc, nous n'en parlerons pas aujourd'hui.
Mais tu as écrit un article dans Challenge qui a été très remarqué et qui m'avait attiré, qui m'avait mis la puce à l'oreille en disant finalement tout ne va pas si mal en France. Il y a beaucoup d'avancées, y compris d'avancées qu'on pourrait considérer comme vaguement libérales ou du moins qui vont dans le sens d'une plus grande flexibilité, du moins du marché du travail. Simplement, ces réformes, on ne les voit pas. Et ce qui nuit au moral, c'est l'incertitude dans laquelle nous laissent les politiques. Est-ce que tu pourrais élaborer sur ce point ? Oui, alors, il y a plusieurs façons d'aborder ce thème. Moi, je pense que, en premier point, on a toujours pensé que la France et le libéralisme, c'était un oxymore. En même temps, quand on prend les grandes valeurs et les grandes institutions qui définissent le libéralisme, si on prend même par exemple une citation du Financial Times hier, dans laquelle un auteur essayait de définir la Britishness autour d'un dénominateur commun qui définirait le libéralisme, il mettait là-dedans la liberté de parole, la rule of law, donc le respect du droit, les droits de propriété, démocratie parlementaire, liberté de la presse et un judiciaire indépendant. Donc je pense qu'on coche tous les critères en France et qu'on a, dans le fond, finalement, un malentendu avec le libéralisme économique. Et je pense que c'est juste un malentendu. Et à l'époque actuelle, pour moi, la difficulté principale de l'État français vis-à-vis du libéralisme, elle est liée, paradoxalement ou non, à l'endettement et au niveau d'endettement de l'économie, en particulier au niveau d'endettement de l'État, des grandes comptes de l'État central, mais aussi des collectivités locales et territoriales. La question, c'est est-ce qu'on peut être libéral quand on est endetté ou endetté comme l'État français ? C'est une question qui est difficile parce qu'elle touche à la souveraineté de la nation, à la souveraineté par rapport à l'action des marchés, des détenteurs de la dette. C'est une question qui a été assez maltraitée par les politiques, puisqu'elle a été souvent, la balle a été souvent renvoyée dans le cadre européen, notamment dans le cadre de la monnaie unique, où on a dit que finalement c'était un carcan extérieur qui nous forçait à contraindre la dette, etc. Or, il se trouve qu'on est quand même à des niveaux d'endettement public qui sont les plus élevés depuis qu'on a quitté les années ou les décennies de haute inflation. Donc c'est un réel problème. C'est un réel problème qui pousse à des raisonnements auxquels plus personne ne croit. Et je pense qu'il y a un réel consensus politique aujourd'hui autour de l'idée que la dépense publique est beaucoup trop élevée en France et les prélèvements obligatoires sont beaucoup trop élevés en France. Et le raisonnement qui consiste à dire on a aujourd'hui plus de 90% de dette publique sur PIB, ce qui nous pousse à payer, ce qui nous force à payer des dizaines de milliards d'intérêts tous les ans au marché, ce qui grève la capacité de l'État à assurer ses fonctions fondamentales, ce qui met des contraintes sur la dépense publique et ce qui donc induit une nécessité de l'augmentation de l'impôt. Je pense qu'il y a une fausse rigueur dans ce raisonnement et gauche comme droite, tout le monde s'accorde à penser que c'est fallacieux. Alors pourquoi on a un problème de dette en France ? J'en arriverai à la question bientôt, mais la première raison, elle est liée justement à ce libéralisme français qui est fait qu'on y respecte le droit. C'est-à-dire qu'on a des cadres comptables, on a des engagements de traité, on a un système d'institutions, on a un système de contrats, même de contrats financiers, de contrats tout court, qui font qu'on respecte tout ça et donc on a tendance à vouloir payer sa dette. L'État français a tendance à vouloir le faire. On respecte le droit parce qu'on paye ses impôts, donc tout ça fonctionne malgré tout. Les citoyens français ont sans doute tort de payer autant d'impôts, mais jusqu'à maintenant ils l'ont fait. C'est pas sûr qu'ils soient capables d'en faire beaucoup plus, mais en tout cas ça a été assez miraculeux. Ça, c'est la première raison pour laquelle la dette est un vrai problème et pose une vraie contrainte sur le libéralisme. Et la deuxième grande raison, c'est que l'État a perdu un peu la main sur lui-même. C'est qu'on a aujourd'hui une dépense publique qui ne fait plus d'investissement à long terme. Il faut savoir que la dépense d'investissement public en ratio du PIB depuis les années 80, elle est passée de 4% du PIB à 2% du PIB. Ce n'est pas raisonnable. La dépense publique, elle contribue, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais à appauvrir une grande partie de la population française, puisque les fonctionnaires, on ne les paye vraiment pas beaucoup et on les fait travailler dans des circonstances assez précaires souvent. On n'a pas de circonstances atténuantes, on n'a pas de dettes à financer, on n'a pas de réparation à faire, il n'y a pas eu de catastrophe naturelle. Et c'est une dépense qui ne sert pas non plus à construire, à contribuer à une vision ou à construire un projet autour de valeurs. Donc c'est de l'argent un petit peu gaspillé et qui passe par les fenêtres. Alors la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a des solutions par rapport à ça ? Une première solution, c'est de souffrir pendant longtemps, c'est de générer des surplus primaires pendant de nombreuses années. Ça, les Italiens savent faire, la France n'a jamais su faire, et c'est pas sûr qu'elle sache faire dans les années à venir.
La deuxième solution, c'est de faire défaut. Et moi, je pense que c'est un vrai sujet pour les pays, pas seulement pour les pays émergents. On voit que l'Argentine est sur les headlines aujourd'hui, mais on devrait parler beaucoup de la solvabilité de la dette publique dans les pays développés. Et ça, c'est un thème qui concerne aussi la France. Et je pense que ce thème-là va alimenter les débats progressivement et pas de façon spectaculaire, mais dans les années à venir. Faire défaut, il y a aussi d'autres façons de faire défaut, hein. Faire un petit peu plus d'inflation, c'est possible que la France, même avec la contrainte de la BCE et de la monnaie unique, fasse plus d'inflation que ce qu'elle fait aujourd'hui, voire même plus d'inflation que la moyenne européenne. Donc c'est un peu une façon d'être passager clandestin. La France ne peut pas dévaluer, donc les moyens sont quand même restreints. Pour conclure, peut-être je voudrais être un petit peu optimiste, justement par rapport au fait qu'il y a un consensus, je pense, assez large sur ce diagnostic-là. Les solutions qui doivent être apportées de façon structurelle sont assez consensuelles aussi, quand on voit aux propositions du gouvernement actuel par rapport à ce qu'on a appelé la politique de l'offre dans ses grandes lignes, mais aussi dans ses détails en matière fiscale, en matière de négociations salariales, il y a eu des avancées. Il y a un point qui fait un petit peu défaut, mais j'espère que le débat politique s'emparera de ce sujet bientôt, c'est la question du droit du travail en France, puisque je pense que c'est peut-être la clé de voûte qui permettra au reste des réformes de prendre, notamment la forme du contrat de travail, en droit privé, mais aussi du statut de travail dans la fonction publique. Donc je pense que si on arrivait à prendre à bras le corps cette question-là, cette question de statut dans l'emploi, que ce soit en CDD, en CDI, en fonctionnaire statutaire ou en agent de la fonction publique sous droit privé, je pense que si on arrivait à harmoniser tout ça en proposant un petit peu plus de peut-être un petit peu plus de sécurité autour des mouvements et de la mobilité que cette harmonisation pourrait créer, et bien je pense qu'on pourrait, sur la base d'une conjoncture qui doit s'améliorer, sur la base d'un diagnostic assez consensuel, avancer vers quelque chose d'assez porteur. Voilà. Merci Natacha, ça nous fournit une transition excellente, puisque si le consensus est assez large sur le diagnostic maintenant, alors tout n'est plus qu'une question de faisabilité politique. Donc le moment de céder la parole à François Fillon, je ne lui ferai pas l'offense de le présenter, puisqu'il a été notre Premier ministre pendant 5 ans. Je vais juste rappeler deux petites citations que j'ai trouvées de lui. L'une qui lui rappellera peut-être de vieux souvenirs, dans un article écrit en 1985 dans la revue des Deux Mondes sur le budget de la défense, où vous disiez qu'il fallait tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation et faire ainsi un bon emploi de la rigueur budgétaire. Le mot n'était donc pas tabou à l'époque. Et la deuxième, dans le livre que vous aviez sorti en 2007, « La France peut supporter la vérité », où vous décrivez notamment les efforts que vous avez dû faire quand vous étiez ministre de l'Éducation nationale pour laisser une certaine liberté pédagogique aux enseignants, et vous vous surprenez de la vivacité des réactions en disant « je défendais pourtant l'idée la plus révolutionnaire qui soit, la liberté ». Alors, est-ce que rigueur budgétaire et liberté de choix ne sont pas les deux éléments thatchériens qui manquent à la France aujourd'hui pour faire les réformes dont parlait Natacha ? Alors d'abord, puisque vous nous avez demandé de commencer en cherchant les divergences entre nous, je vais tout de suite en avoir une première. Je ne pense pas que la France ait été un pays libéral dans son histoire. En tout cas, la France a une vieille tradition d'égalité et a toujours eu ou a longtemps eu un problème avec la réussite et avec l'argent. Et pour l'illustrer, je voudrais citer un exemple que m'a inspiré à l'instant Frédéric Jousset quand il a évoqué une ville de France où il a fermé des activités qui s'appelle Fontenay-le-Comte. C'est une ville de Vendée. Ma famille est originaire de Vendée. Et un jour, il y a quelques années, je visitais cette ville et le maire me montre un château magnifique, le château de Fontenay-le-Comte, et il me dit « ce château a appartenu à l'un de vos ancêtres qui s'appelle Benjamin Fillon, qui était un poète, qui était un inventeur, qui était un industriel, un personnage très, très complet. » Et je lui dis « certainement pas, je suis d'une famille d'agriculteurs, il n'y a jamais eu de gens riches dans ma famille, donc vous devez vous tromper. » Et puis le lendemain, par acquis de conscience, j'ai appelé mon grand-père, et je lui ai dit, ce Benjamin Fillon ne peut pas être un de nos ancêtres. Et mon grand-père, qui était un très vieux monsieur vendéen, d'origine très modeste, m'a dit, ne prononce jamais ce nom devant moi. C'est quelqu'un qui s'est enrichi
avec les biens du clergé à la Révolution. C'est-à-dire que la seule personne de la famille qui avait réussi était bannie même de la mémoire familiale. Voilà. La deuxième chose, c'est que quand vous avez parlé tout à l'heure de l'État et de la place de l'État, il faut bien voir qu'on a des institutions qui sont assez paradoxales, puisque nous avons guillotiné un roi et une reine, ce que n'ont pas fait nos amis britanniques, enfin, en tout cas, pas récemment. mais pourtant, nous avons un roi. Nous avons un système politique avec une élection présidentielle qui concentre sur une personne des pouvoirs considérables qui joue quand même un rôle très très important dans le fonctionnement du système étatique français. Voilà, alors ça ne veut pas dire qu'il faut forcément supprimer ces institutions, mais c'est un vrai sujet de réflexion. Et enfin, il y a un troisième sujet qui est cette longue tradition de grandes écoles publiques qui est pour une part le résultat d'un échec de l'université ou d'un affaiblissement du système universitaire qui a produit pendant des générations et des générations des hommes et des femmes très brillants, mais formés pour gérer l'État, soit pour le gérer à travers l'administration, l'école nationale d'administration, soit pour le gérer à travers la défense et l'école polytechnique. Mais une grande partie de l'économie française a été et est encore dominée par des hommes et des femmes qui ont d'abord été formés pour gérer l'État et pas pour gérer des entreprises. Je suis un passionné de sport automobile. Je suis très malheureux de voir que les marques automobiles françaises perdent en permanence du terrain, notamment dans le domaine des voitures d'exception. Et je suis arrivé assez rapidement à la conclusion que c'est très largement lié à la personnalité de leurs dirigeants. Les dirigeants des entreprises automobiles françaises sont à peu près systématiquement des inspecteurs des finances qui ont été à un moment donné directeur de cabinet du Premier ministre. C'est une filiation assez naturelle. On est directeur de cabinet du Premier ministre et on devient président de Renault ou on devient président de Peugeot. En Allemagne, il se trouve que je connais bien les dirigeants de l'industrie automobile allemande, sont tous des hommes qui ont fait leur carrière dans l'entreprise, qui aiment le produit qu'ils vendent, qui ont une espèce de passion qu'ils arrivent à transmettre à travers leur stratégie industrielle. Voilà, quelques remarques pour maintenant répondre plus précisément à votre question. La France, c'est un pays, c'est sans doute le seul pays européen, le seul grand pays européen, qui n'a connu aucune rupture économique depuis 30 ans. Tous les grands pays européens ont connu des crises, et parfois des crises aussi graves que celles que nous connaissons aujourd'hui, mais ils ont trouvé soit des hommes ou des femmes ou des circonstances qui leur ont permis de se réformer, de changer leur organisation et de rebondir. Alors évidemment, l'exemple le plus spectaculaire, c'est celui de Margaret Thatcher. Et chacun se souvient de la situation dans laquelle était la Grande-Bretagne avant Margaret Thatcher. Il se trouve qu'ayant épousé une Anglaise, et c'était justement l'époque où je venais la courtiser, donc je me souviens de l'état de délabrement d'une grande partie de l'économie britannique. Je me souviens d'une Grande-Bretagne où on ne travaillait pas beaucoup. Je me souviens d'une Grande-Bretagne où les organisations syndicales étaient toutes puissantes. Et il est incontestable que Mme Thatcher, avec son caractère et sa façon de faire, a stoppé ça, a permis un véritable redémarrage de la Grande-Bretagne. L'Allemagne a connu quelque chose de similaire, mais complètement différent naturellement dans la méthode, avec la réunification, qui était un premier choc, et ensuite avec M. Schröder et cet effort d'adaptation de l'économie allemande à la mondialisation et à la compétition internationale. Plus récemment, l'Espagne a connu la crise financière et la Commission européenne qui l'a forcé à des réformes très brutales, très violentes, très douloureuses, mais qui commencent à donner des résultats en termes de retour d'une compétitivité de l'économie de ce pays. La France est le seul pays qui, depuis 30 ans, n'a jamais connu de rupture. En fait, en 2007, avec Nicolas Sarkozy, on avait préparé un programme de rupture.
Et ce programme de rupture, qui était sans doute assez insuffisant par rapport à la gravité de la crise, mais qui était quand même très, très ambitieux par rapport à tout ce qui avait toujours été fait en France depuis très longtemps, ce programme, on a commencé à l'appliquer pendant 4 ou 5 mois, assez vigoureusement. On a fait tomber un tabou de 30 ans qui était la question de l'autonomie des universités françaises. Alors certes, il y a encore beaucoup de chemin pour que les universités françaises redeviennent ce qu'elles ont été dans leur histoire, mais personne ne peut nier qu'il y a un tabou qui a tombé avec cette réforme. On a introduit le principe du service minimum dans les transports publics et dans le système de l'éducation nationale, qui a quand même eu des effets assez positifs sur le climat social. On a lancé des réformes fiscales qui aboutissaient à baisser la fiscalité. Et puis au bout de 5 mois, on a connu la crise financière venue des États-Unis. On s'est totalement concentré sur la réponse à cette crise. Et après, il n'y a plus jamais eu de dynamique de réforme. La dynamique était cassée. Le président de la République n'avait plus de véritable volonté de réforme. Il faut dire que le temps avait aussi un peu passé et qu'on est dans un pays où on peut faire les réformes à condition de les faire assez brutalement et très vite après une élection quand on a une sorte de poussée de légitimité. Et donc aujourd'hui, la France est dans une situation où elle est très en retard par rapport à la plupart des autres pays européens et doit combler ce retard. Ma conviction, parce qu'après l'échec des élections présidentielles et législatives, donc notre échec, mon échec, moi j'ai entrepris d'aller faire le tour de France. Et je continue à faire le tour de France. Pas le tour de France en vélo, que la Grande-Bretagne est en train d'essayer de nous voler en faisant le départ dans le Yorkshire, mais un tour de France où je suis allé, où je vais chaque semaine à la rencontre des entrepreneurs, des ouvriers, des commerçants. Et je suis arrivé à la conclusion qu'il y a aujourd'hui une telle colère, un tel rejet de l'immobilisme politique, de l'excès de contraintes, de l'excès de réglementation, de l'excès d'impôts surtout, que le peuple français est en train de devenir libéral, que le peuple français est en train de réclamer de la liberté. Et au fond, ce sont ces élites qui, parce qu'elles s'inscrivent plutôt dans le passé, n'ont pas encore pris totalement la mesure de cette revendication. Alors, pour prouver ce que je vous dis, à plusieurs reprises, moi, j'ai été conduit à faire des réformes dans ma vie politique qui étaient considérées comme des réformes à très haut risque et qui étaient des réformes plutôt libérales ou en tout cas allant dans le sens de la réduction de la dépense publique ou de la réduction des déficits. La première, c'était l'ouverture à la concurrence des télécommunications. C'est moi qui l'ai fait en 1995. Autrefois, en France, il y avait un seul opérateur de télécommunications qui avait un monopole et qui avait inventé un truc génial qui s'appelait le Minitel, qui était un merveilleux système, très en avance sur le reste du monde, mais totalement fermé. Et pour la petite histoire, lorsque j'ai été nommé ministre des Télécoms, j'ai convoqué la direction de l'entreprise France Télécom, enfin, qui était une entreprise publique, et l'entreprise m'a présenté tous les défis qui étaient à relever. Et à la fin, après 2 heures de discussion, j'ai dit au président de France Télécom de l'époque, « Monsieur le Président, ça fait 2 heures qu'on est ensemble, vous n'avez pas prononcé le mot Internet. » On était en 1995. Et il m'a regardé, il m'a dit, « Monsieur le Ministre, perdez pas votre temps avec ça, c'est une mode. Dans 6 mois, on n'en parlera plus. » Donc j'ai fait cette réforme. Tout le monde m'avait dit que ce serait un déferlement de manifestations, de grèves, etc. Oui, il y a eu un peu d'opposition, mais franchement, ça s'est pas si mal passé. Et personne, aujourd'hui, n'imaginerait même de revenir en arrière. Ensuite, j'étais ministre des Affaires sociales. J'ai allongé la durée de travail des fonctionnaires pour les retraites. On a eu 4 millions de personnes dans la rue. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça perturbe un peu la circulation. Mais ça n'a pas été, il n'y a pas eu un blocage, il n'y a pas eu véritablement de refus. Pendant la période où j'étais Premier ministre, on a fait avec Nicolas Sarkozy un certain nombre de réformes qui auraient pu, dans le climat tel qu'on le décrit en France, déclencher un véritable blocage social. Ça n'a pas été le cas. Mais les responsables politiques français ont tellement peur
de la réaction sociale, qu'à chaque fois, au fond, ils ne vont pas aussi loin qu'ils le devraient parce qu'ils craignent des blocages qui, à mon avis, ne sont plus d'actualité. En réalité, les blocages aujourd'hui, les réactions sociales vigoureuses, elles sont surtout liées à l'absence de cap, à l'absence de direction, à l'absence de vision, à l'absence de volonté dans la mise en œuvre des réformes. Quand le peuple français sent que ses dirigeants ne sont pas sûrs de la réforme qu'ils ont enclenchée eux-mêmes, alors à ce moment-là, tous les corporatismes se déchaînent et la réforme est repoussée. Et donc moi, ma conviction, c'est qu'il faut maintenant un vrai choc en termes de liberté qui permette à notre pays de retrouver un projet d'avenir, de retrouver un espoir, de retrouver une dynamique économique. Et donc moi, je veux mettre la liberté au cœur du débat idéologique français, et je pense que c'est le moment de le faire. La liberté de travailler, ça veut dire, vous le disiez tout à l'heure, un code du travail réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dispositions d'ordre public social et tout le reste renvoyé à la négociation d'entreprise. La fin des 35 heures définitive, avec la suppression de la durée légale du travail et le renvoi à la négociation d'entreprise pour les conditions de travail, avec le passage à 39 heures, lui sans négociation, enfin je veux dire sans négociation d'entreprise, de la fonction publique, pour permettre justement la réduction des effectifs, la réforme de la fonction publique, et pour redonner de l'espoir à des hommes et des femmes à qui on promet aujourd'hui 10, 15 ans ou 20 ans de gel de leur salaire. La réduction du poids de la puissance publique par la diminution des structures et des effectifs publics, avec deux objectifs. Un objectif évidemment de retour à l'équilibre des comptes qui passe par une réduction des emplois publics, de toutes les fonctions publiques, de l'État, des collectivités locales et du système de santé, mais qui a un autre objectif et une autre conséquence, c'est la simplification de la vie des entreprises et des Français. La France est un pays très complexe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, madame, avec une administration performante, efficace, et des gens qui sont plutôt des citoyens qui sont plutôt obéissants. Si on veut réduire la complexité, qui est aujourd'hui un énorme frein à la créativité en France, on ne le fera jamais par la loi, on ne le fera jamais par le règlement, on ne le fera jamais en décidant de supprimer des réglementations, on le fera à la marge. En revanche, si on réduit le nombre des emplois publics de façon très importante pour des raisons financières, on réduit en même temps le poids de la puissance publique sur l'économie et sur la société française. On réduit le nombre d'émetteurs de normes et on réduit le nombre de contrôleurs. La réduction massive des charges pesant sur le travail avec un objectif très simple d'harmonisation de la fiscalité des entreprises et du capital sur la moyenne européenne. Et puis la liberté d'apprendre. Moi, je veux responsabiliser le système éducatif français en donnant à chaque établissement une grande autonomie pour développer des outils pédagogiques, j'y reviens, adaptés à chaque élève, pour développer massivement l'enseignement en alternance, pour achever la marche vers l'autonomie complète des universités. Voilà quelques-unes des réformes que je crois incontournables. Ici, en Angleterre, le modèle a pour nom, le vôtre en tout cas, la tenace et l'inflexible Margaret Thatcher. Elle a été encensée par les uns, elle a été critiquée par les autres, mais vaut mieux être surnommée la dame de fer que la dame de terre. Mon modèle à moi, pour nom le général de Gaulle, et il me plaît de le citer en cette journée du 18 juin, parce que, au fond, ces deux personnalités avaient un point commun, ils aimaient leur pays, et pour leur patrie, ils n'hésitaient pas à agir pour l'intérêt national. L'intérêt national ne se confond pas avec l'obsession de la popularité. Et je pense que ce sont deux caractéristiques qui rapprochent ces deux personnages si différents par ailleurs qu'étaient Margaret Thatcher et le général de Gaulle. Il n'est pas dans la hantise du court terme. L'intérêt national se fiche des idéologies. Au fond, seul compte les résultats qui permettent à un peuple d'être grand et d'être prospère. Et s'il faut pour ça travailler plus, s'il faut pour ça dépenser moins, s'il faut réformer davantage, alors il faut le faire. Beaucoup de mes amis me reprochent, au fond, par ce discours de promettre de la sueur et des larmes. Je pense qu'ils ont tort de douter du jugement et du cran des Français. Je pense que les Français sentent aujourd'hui, mieux que leurs dirigeants, que leur modèle économique et social est en panne. Ils sentent qu'ils pourraient vivre beaucoup plus intensément s'ils avaient le pouvoir de délivrer leurs talents
et leur énergie. Puisque l'économie administrée ne marche plus, puisque le socialisme ne marche pas, alors il faut essayer la vérité, il faut essayer la responsabilité, et il faut essayer la liberté. On ne part pas de rien, puisque au fond, malgré ses déficits, malgré ses impôts, malgré toutes ses règles tatillonnes, la France est encore un pays qui tient le coup et qui est même encore leader dans beaucoup de domaines. Alors essayez d'imaginer simplement un instant une France qui serait réformée, qui serait débloquée dans ses initiatives, qui serait lucide face à la mondialisation. Je pense que cela redeviendrait un acteur majeur de l'économie mondiale. En tout cas, c'est ma conviction, c'est mon objectif, et je suis honoré d'avoir eu l'occasion de le partager avec vous, qui, j'imagine, pour l'essentiel, êtes des combattants de cette valeur fondamentale de la liberté. Merci beaucoup, ça nous met du baume au cœur. J'ai beaucoup de questions, mais je préférerais que ce soit la salle qui les, soit vous qui les posiez. Donc le micro est à votre disposition. Microphone. Dans la langue de votre choix. Bonjour. J'aimerais poser une question à Monsieur Fillon. Vous avez dit que en 2007, vous aviez, on va dire, commencé un programme de réforme et qu'au bout de 5 mois, vous l'aviez suspendu afin de répondre à la crise économique. Si jamais le programme que vous venez d'énoncer en quelques mots, vous étiez amené à l'appliquer ou à vouloir l'appliquer, donc soit vous, soit quelqu'un d'autre dans les années à venir, et que au bout de 5 mois, il y a une nouvelle crise qui apparaît. Qu'est-ce que vous feriez si cette crise apparaissait? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous feriez au niveau des... Enfin, vous avez parlé de l'éducation. Qu'est-ce que vous feriez au niveau du transport? Et c'est tout. Voilà, merci. Alors, sur le premier sujet, c'est l'avantage de l'expérience. C'est-à-dire qu'on peut considérer que le fait d'avoir dirigé des ministères et un pays pendant longtemps est un handicap. Dans la mesure où la première question qu'on se pose quand je dis il faut réformer profondément l'économie française, la première question que vous êtes en droit de vous poser, c'est: vous avez été Premier ministre 5 ans, pourquoi l'avez-vous pas fait? Bon. Donc premier élément de réponse, je suis parfaitement conscient, ce qui n'est sans doute pas le cas de tout le monde parmi les dirigeants français, des erreurs qui ont été faites, et j'essaye de m'appuyer sur ces erreurs pour corriger la trajectoire. La deuxième chose, c'est que il ne vous a pas échappé, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait en France une institution qui s'appelle la présidence de la République, et que je n'ai jamais été président de la République. Et dans notre système politique, et encore plus ces dernières années, et encore plus avec le président Sarkozy, le pouvoir s'est concentré sur la présidence de la République. Or, ce n'est pas trahir un secret que de dire qu'il y avait, et qu'il y a toujours, je crois, un désaccord assez profond entre Nicolas Sarkozy et moi sur deux choses. La gravité de la situation financière, et je rejoins ce que tout à l'heure vous avez dit sans aller jusqu'au défaut, en tout cas pas pour le moment. Et donc Nicolas Sarkozy n'était pas du tout sur la même ligne, considérait que cette question du déficit était, j'y ai pas marginale, mais qu'elle pouvait être réglée assez facilement par une croissance forte qui viendrait et qui permettrait de régler la dette. Et deuxièmement, nous n'avions pas la même conception, la même vision de la gravité de la crise. C'est-à-dire qu'au fond, il me disait toujours, tu es pessimiste quand tu dis la France est en déclin. Non, la France n'est pas en déclin, il y a juste une sorte de baisse de tension, comme il y en a eu souvent dans un cycle économique, et tout ça va repartir. Et il suffit d'un peu de volontarisme, il suffit d'un discours politique entraînant, il suffit de quelques mesures fortes pour faire redémarrer l'économie. Ça, c'est un désaccord que nous avons eu. Bon. Et aujourd'hui, je vous dis, si j'avais été dans la même situation... Ma conviction, mon engagement, ma conviction, c'est qu'il faut faire... C'est la seule solution pour faire redémarrer le pays, c'est un choc. C'est les 10 réformes économiques et fiscales les plus importantes, en 3 mois, de façon assez brutale,
en utilisant tous les moyens que permettent les institutions politiques françaises, et il y en a, pour aller vite. Et ensuite, on se tient à la mise en œuvre de ces mesures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne cherche pas, comme on le fait trop souvent en France à chaque élection, à tout réformer, à changer tout, à vouloir engager des réformes dans tous les secteurs, à vouloir changer la société, à vouloir se mêler. Bien sûr, il y a plein de choses qui ne marchent pas et qui devraient être résolues. Mais il y a une priorité aujourd'hui, c'est de faire redémarrer l'économie. Donc c'est de faire les quelques réformes que je viens d'évoquer. Un nouveau code du travail, avec un nouveau contrat de travail, une vraie liberté d'organisation du travail dans l'entreprise, une réforme radicale du système social et en particulier de l'indemnisation du chômage, une réforme radicale de la formation professionnelle et l'enclenchement des baisses de dépenses et en particulier des baisses d'effectifs avec les réformes structurelles qui vont avec, c'est-à-dire qu'on supprime des échelons administratifs, on privatise un certain nombre de fonctions et on redonne de l'espoir et de la perspective à ceux qui continuent à servir l'État. Si on fait ça dans un délai de 6 mois, sans trembler, et même s'il y a des affrontements, au fond, ils sont peut-être nécessaires, je suis convaincu qu'on change la psychologie française et qu'on peut obtenir des résultats qui ne sont pas forcément des résultats quantifiables par les économistes, je veux dire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en France, il y a deux sujets. Il y a toutes les contraintes objectives qui pèsent sur l'économie, puis il y a le moral qui fait que les gens n'ont pas envie de se lancer dans des aventures économiques difficiles parce qu'ils ont le sentiment qu'il n'y a pas d'avenir, que tout ça est bloqué. Voilà. Il faut accepter l'idée d'être très impopulaire. Je crois que c'est pas un sujet. Et c'est d'autant plus pas un sujet que tous les responsables politiques, les présidents de la République française depuis quelques années, enfin depuis quelques décennies, ont cherché à être populaires et ont été battus. Et je pense que c'est peut-être en cherchant à être impopulaire qu'on peut être élu. Ça, c'est une leçon pour François Hollande, donc, qui est très fort dans ce domaine de l'impopularité. Mais... je ne sais pas si, avant de céder la parole à la salle, si nos intervenants veulent réagir à ce que vous venez de dire, Augustin ou Natacha. Moi, ce qui me frappe, c'est cette question de la faisabilité politique. Je suis d'accord avec vous que souvent, on a l'impression que les politiques en France ont l'impression que la faisabilité politique est une contrainte plus forte qu'elle ne l'est en réalité. Et ça, je ne sais pas d'où ça vient, cette espèce d'impression que rien n'est faisable politiquement, alors même qu'on voit bien justement qu'à vouloir survivre politiquement, beaucoup de gens se sont détruits eux-mêmes. Et ça, je ne sais pas quelle est la source de cette espèce de myopie sur ce qui est faisable et infaisable politiquement, sachant qu'effectivement monte un peu cette idée que les gens, au fond, sont prêts pour des réformes assez drastiques. Ce qui ressort des sondages, d'ailleurs, enfin, j'en profite pour dire qu'on avait fait un sondage. Êtes-vous pour l'abolition du statut de la fonction publique et le passage sous contrat privé ? Oui, à 66%, dont 52% à gauche. Êtes-vous pour le contrat unique ? Oui, avec une majorité à gauche aussi. Enfin, même sur le passage à la sécurité sociale, enfin, la privatisation de la sécurité sociale, il y avait un tiers d'avis favorables, alors que c'est un sujet qui est évidemment jamais dans le débat public. Donc, je suis d'accord que l'opinion est étrangement en avance. Ce qui m'interpelle sur la même ligne, c'est l'inhibition politique, justement, par rapport à l'utilisation de ces instruments chocs dont on dispose dans la Constitution pour faire passer des réformes vite. Et quand on prend le cas de l'Italie, par exemple, à plusieurs reprises dans l'ère post-Berlusconi, on s'est rendu compte que les dirigeants, qu'ils aient été technocrates ou qu'ils aient été politiques, ont été capables, dans des circonstances institutionnelles pas forcément plus faciles que celles de la France, justement de mettre sur la table un projet de réforme clair, qui soit assez lisible par la population, et s'y tenir à 30, 40, 50%. Donc je pense que depuis Monti, on a avancé sur cette voie-là, avec des institutions qui n'avaient peut-être pas des instruments aussi forts que ceux dont on disposerait dans le système français. Dans la République française, un des dirigeants démocratiques qui a le plus de pouvoir au monde. Peut-être juste un mot. D'abord, sur l'Italie, j'aimerais être sûr, mais c'est un pays que je suis de très près, que j'aime. On va donner le bénéfice. Je l'entends en permanence annoncer des réformes formidables. J'aimerais être certain qu'elles vont aller au bout. Mais ce qui est certain, c'est que le gouvernement italien, lui, est dans une situation très fragile sur le plan politique,
qui n'est pas du tout celle du gouvernement français. Le président de la République, il a 5 ans devant lui. On le voit d'ailleurs aujourd'hui. On a un président de la République qui a 18 ou 16% dans les sondages, qui a 3% de Français qui souhaitent sa réélection. Et il va rester 5 ans. Je sais pas, y a aucune raison, sauf une explosion de colère imprévisible que je ne souhaite pas, il n'y a aucune raison pour qu'il s'en aille. Donc il a la stabilité, et en plus on a un système institutionnel qui, avec une majorité qui permet parfaitement. Donc ce n'est pas la crainte d'être mis en minorité. Je pense que le moteur de cette prudence excessive, de cette peur au fond, c'est l'histoire des mouvements sociaux en France de ces 30 dernières années. C'est-à-dire c'est une succession de réformes qui ont été bloquées par des organisations syndicales qui prenaient en otage le pays, un peu sur le modèle de ce que l'Angleterre a connu, toute proportion égale par ailleurs, et avec quelques souvenirs particulièrement douloureux, notamment de révoltes étudiantes, avec des incidents graves, des morts d'hommes qui ont causé dans l'esprit des dirigeants français cette inquiétude. Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation-là. On n'est plus dans cette situation-là parce que, d'abord parce que la société française a changé, parce que les organisations syndicales ont changé. On n'a pas besoin de faire... on n'a pas le même problème que celui qui a existé en Grande-Bretagne dans les années 70. Il y a des organisations syndicales qui ont encore, bien sûr, des efforts à faire pour évoluer vers une vision plus moderne de l'économie. Mais d'abord, elles sont beaucoup moins puissantes. Oui. Elles ont une capacité de blocage qui est beaucoup moins grande que par le passé, qui est beaucoup moins supportée par la population que par le passé. Il y a 10 ans, une grève de la SNCF qui paralysait la totalité du pays, les gens étaient très fâchés, mais quand on les interrogeait, ils disaient « Ouais, mais je soutiens quand même les grévistes parce qu'ils défendent leur outil de travail, etc. » On n'entend plus ça du tout aujourd'hui, et on a une partie du syndicalisme français avec la CFDT, qui est en train de devenir un syndicalisme réformiste et moderne. Donc je pense que ce danger-là est beaucoup plus faible que par le passé, mais il faut que les dirigeants, qui souvent sont là depuis très longtemps, comprennent qu'on a changé d'époque. Frédéric, je pense qu'il y a aussi fondamentalement un problème par rapport à la culture du risque dans la société française. Je pense qu'un des grands drames de Jacques Chirac, ça a été le principe de précaution, qui est quelque chose qui est absolument épouvantable, parce qu'il pose le principe que le risque est dangereux. Or, c'est en prenant des risques, par le capital risque, par toutes les initiatives, avec le principe de précaution, on n'aurait jamais découvert l'Amérique, etc., etc. Et je trouve que pour moi qui vis ici depuis 2 ans, ce qui me frappe par différence, on le voit presque physiquement dans la ville, c'est-à-dire que l'architecture à Londres, depuis 10 ans, quand vous regardez les bâtiments que cette ville a laissé construire, l'audace absolument incroyable, et que par comparaison, vous voyez par exemple que le projet évident pourtant de rénovation de la Samaritaine, qui est une espèce de bâtiment obsolète, qui ne sert plus à rien et qui est bloqué depuis 5 ans alors qu'il pourrait être créateur d'emplois, générateur de recettes pour l'État, etc. Quand on voit le contraste entre l'immobilisme d'un côté et le dynamisme de l'autre, on voit que cette question du risque, moi j'ai un autre casquette, c'est que je suis investisseur d'une société qui s'appelle Le Cab, qui est un des challengers de G7 et des taxis. C'est incroyable de constater qu'à Londres, il y a 20 000 taxis black cabs, il y a 40 000 minicabs privés, alors que, en France, sur le nombre de taxis, on en a 16 000 à Paris, c'est-à-dire très exactement le même nombre qu'en 1931. Hein, donc, alors que la population, le tourisme, les démographies ont quand même pas mal bougé. Et on voit la bataille absolument incroyable que c'est avec des initiatives pour retarder le progrès technologique, faire patienter les cabs pendant 15 minutes pour aller charger les clients, pour redonner un espèce d'avantage aux taxis qui pourtant ne le méritent pas. Et je trouve que vraiment cette question du risque, elle se pose à la société française, évidemment à ses dirigeants en premier lieu. Merci. Je suis désolé parce qu'on me demande de clore. On peut continuer cette discussion bien sûr avec vous à travers moi si vous êtes adhérent à Génération Libre naturellement, ce que j'ai encore fait. Je remercie nos participants, peut-être certains auront quelques minutes pour continuer à parler avec vous de manière informelle, et puis je crois que nous avons à peu près tout résolu, donc c'était au moins très productif. Merci.